7 nullesses au lendemain de l'élection présidentielle, lors du président François Mitterrand, c'est le plus parfait de partisans. États-Unis, l'inquiétante progression d'infection pulmonaire touche en majorité les personnes. Je veux café Saint-Ernac avec des potes pour fêter la victoire. Je t'attaque à Cubal. T'es gonflé? Tu penses que ta mère d'aille de l'auto? Si je gagne, t'auras rien du tout. Une fin d'année bien triste dans le Finistère où la marée noire se répand toujours suite aux 10 000 tonnes de fioul échappées de l'Erika. Et dans les ouragans. Mais attention à ça, ça peut valoir beaucoup d'argent, tu sais. D'arbres à bâche. Voilà, notre spécial 99 arrive à sa fin, année marquée par le cap dépassé des 6 milliards d'êtres humains. Par une COP 5 prometteuse où les membres ont renégocié l'agenda de la COP 4, affirmant leur volonté de rompre le lien entre la croissance économique et la consommation de pétrole. Et le numéro complémentaire, le 6. Et voilà, c'est notre chance. Le prix du siècle sont donc faits. J'espère inscrire le nom de l'un d'entre vous parmi la liste des super millionnaires. On m'annonce que nous avons un grand gagnant à Saint-Arnac en Pyrénées-Orientales. C'est pas celui-là. Toutes mes félicitations. On se retrouve demain pour un nouveau tirage et tout de suite le journal de David Radotas. Oh non, 11, 8, 43. Bonsoir à tous, les informations de ce vendredi 12 décembre 2008. L'Europe adopte le plan énergie-climat avec un triple objectif pour 2020. Moins 20% d'émissions, plus 20% d'énergie renouvelable, plus 20% crise économique toujours. Les émeutes en Grèce sont tués par un policier. Hop, et voilà le travail, ça marche. Ah ben heureusement que c'est fini en 2020, c'était une belle année de merde. Bon, par contre, c'est un peu anxiogène, vous voulez pas qu'on mette autre chose quand même? Oui, le loto. Merci, jeune homme. Ce soir, c'est parti. Bon, j'espère que vous allez gagner le gros lot, hein. Croise les doigts. Bonne chance.